إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا الحمد لله تو تعريف تو حمد تو ثناء تو لوانج تو إلوج تو غلور والله سبحانه وتعالى C'est lui qui parfait sans défaut, au-delà de la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique créateur qui existe, et il est tout seul qui fait tout ce qui a envie, et toutes ces bonnes créatures dépendent au lit, content, pas content. D'accord, pas d'accord, reconnaître, pas reconnaître, mais tous ces bonnes créatures dépendent de lui. Tu veux dire? Tu veux dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique, le seul, le tout seul. Et tout ce qui existe, c'est ces bonnes créatures. Et tous ces bonnes créatures dépendent de lui. Content par content, obligé dépendent de Allah. Ça dit moun qui peut prier Ross, peut cause avec Ross. Ça dit moun là, il dépend de Allah. C'est ce passion qui pas les lui dépend. Il est si emporté par sa passion, mais sur l'écho en entier, tout ce bannement de l'écho dépend de Allah. Qui veut dire? C'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui donne tout ce bannement nécessité à l'écho là. Et tout ce qui est entouré. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala. Il crée toute chose qui est dans le ciel là et dans la terre là au service de sa insan là. Seulement Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'aucun partenaire. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'aucun coup de main. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin d'aucun
aide. Alhamdulillah, sa créateur là qui nous fait ribada pour lui. Sa créateur là qui nous adore lui. Toute l'adoration pour lui et aussi tout aide qui nous besoin, c'est avec lui tout seul qui nous cherche aide. Ça, deux conditions obligatoires. L'ONGMUN qui dit l'Iena Iman. Premier, tout ce ban ribadat qui diffère, l'y faire pour Allah, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas besoin d'aucun partenaire avec Allah. Et aussi, toute chose qu'il a besoin, il demande zis avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les jours, nous répétons-le. Alhamdulillah, ban qui encore, iman encore vivant dans notre l'équerre, minimum 17 fois par jour, je te répète sa phrase-là. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Je ne vais pas faire Allah connaît, non. Je vais rendre service à Allah. Because avec lui-même, c'est tout seul qui nous adorait. C'est tout seul qui nous adorait. Et c'est avec tout seul qui nous cesse tout aide et secours. Quand ça dit là, il réunit, à ce moment-là, qui sa djimoun là, un djimoun qui n'a iman. Alhamdulillah. Nous supplions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tout qui là, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vin parmi sa ban djimoun qui n'a sa décalité là dans eux. Dans le cas contraire, il y a une paix dans le sadounia là. Comment? Quand il peut prier créature, il peut adorer créature, et aussi il peut aider avec créature, avec rose, avec ferraille, et aussi de ban darga, de ban kabarrastan. Alors, frères et sœurs, alhamdulillah, sa robe là, sa bon Dieu là, qui nous adore. Comment pour le comprendre valeur de sa cadeau là? Comment pour comprendre valeur de sa cadeau là? Pas pour comprendre ça. Pas pour comprendre ça. Pas pour comprendre ça. Un petit guide. Quand on est à l'entour, que du monde peut adorer, que ça n'a pas de cesse. Mais, vraie valeur de sa imana, quand malakal mot, il paraît divin. Quand malakal mot, il paraît divin. Oh, à ce moment-là, tu peux le comprendre. Qui dit ce cadeau qui appelle iman? Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit nous, il donne nous ce cadeau-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il généré envers nous, surtout, ban qui peut gagner l'occasion, pour estampes de corps 5 fois par jour, l'hiver, l'été, dans maillette de mariage, dans le bonheur, dans le malheur, la facilité, la difficulté, il peut stamper ce code. Un code qui ça, tous les jours, besoin, il y a 5 estampes là. Alors, ban qui là-dedans, ban qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sa générosité, les autres, en abondance, remercie Allah, continue estampe au code, et fait une manière qui estampe pas pali. Pas les li pali. Quand là pas pour pali li. Quand là li pour là tous les jours li. Estampe là capable pali. Alors pas les li pali. Renforce li. Alors comment pour renforcer li? Allah subhanahu wa ta'ala. Dans 8e surah. Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur. Bon Dieu. Seul bon Dieu qui existe, lui dit, innamal mu'minun,
li ki jè sa. Parce que li ki kon tout kit chose. Li ki kon l'invisible. Ki li dire, innama al-mu'minuna al-lazina. Quand ta ban mu'minun, ban croyant, ban jimun kena iman. Al-lazina, iza dhukir Allah. Kamanshun Allah. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم et toute chose toute action toute pensée toute décision lui prend à partir le cœur c'est ça la base Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit d'un hadith, d'un bout de la chair de cet écho. Si ça la chair là, il est bon, entier l'écho là pour bon. Si ça bout de la chair là pas bon, entier l'écho pas pour bon. Et ça, c'est le cœur. Le cœur, et ici Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le cœur. Quand ban mu'min qui sa ban la sa quand pe mention le nom d'Allah pe mention Allah li même li pe dire bismillah li même li pe dire Allahu akbar li même li pe dire alhamdulillah quand il finit manger briyani même quand il mange bouillon bois li pe dire alhamdulillah quand il finit terné li dit alhamdulillah et comme ça tout ban zikr et aussi quand il écoute ban causerie il écoute un djimoun peut mentionner Allah son grandeur et son capacité wajilat qulubuhum sur les cœurs besoin ressenti sa présence Allah subhanahu wa ta'ala ce qui veut dire les besoins d'un traka les besoins d'un khawf et khoda. Et quand on fait Khoda, il parle la langue ça. Pas dire moi, mon père Allah, moi. Ce groupe-là, ben, qui père Allah ça. Non. Ça, le cœur ça. Le cœur. Wajilat qulubuhum. Ce le cœur. Fais-le rappel. Qui le besoin fait un maximum d'efforts pour dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il a besoin de faire maximum d'efforts pour éviter désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Iman, il a augmenté et il a baissé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa idha tuliyat عليهم آيات زادتهم إيمانا. Et comme un verset, Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner lecture Coran زادتهم إيمانا. Ce iman augmenté. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui iman il paraît tout le temps pareil. Il paraît que moi ça l'appareil d'un cardiaque. Monter, li baisser, li monter, li baisser, li monter, li baisser. Un coup de capatin. Alors tout le temps qu'il besoin faire, il besoin faire maximum d'efforts pour garder lui vivant. Pour toujours sa iman là augmenter. Avec qui chose sa iman là pour monter? Avec vitamine, avec sérum, avec piquir, et encore tout ban qui chose qui ban du monde prend pour gagner l'énergie. Avec ça qui iman pour augmenter. Non. Wa idha tuliyat alayhim. Là, quand moi écoute ça ayat Coran là, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, quand ben verset Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner, peut lire,
ça fait son iman augmenter. Mais comment moi vous connais? Qui position mon iman? Comment moi vous connais? Qui position mon iman? C'est facile. Ben qui ne réfléchit là, ben qui pas dormi, ben qui pas pense football, ben qui pas pense manger, boire ou bien travail. Je te comprends. Fini gagne l'idée. Combien de temps vous pas écoute lecture Coran? Comprends-le bien. Vous pas entendre, non. Vous pas écouter. Vous pas écoute lecture Coran. Vous pas lire un ayat sur traduction. Comment y est sa iman pour augmenter? Comment y est sa iman pour augmenter? Car dunya là li rempli avec les autres qui choses qui sa Coran là. Il y a 99 fitna et un Coran. Alors est-ce que moi je vais prendre sa dose du Coran pour que mon iman augmente? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, moi-même en premier nous tout qui là, que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprendre sa vérité là. Alhamdulillah. Je pense qui et me demande Allah subhanahu wa ta'ala qui me pensait dit bon que la plupart parmi nous qui là je te régulier le namaz. Alors gagne ça l'habitude là, gagne ça l'habitude là. Quand vin namaz, vin un petit guide bonheur, 10 minutes. Quand on rentre dans la case Allah subhanahu wa ta'ala, fait des rakat avant d'assiser. Ensuite, namaz pas encore djibout, reste 2 minutes, reste 3 minutes, prends sa Coran là, sa copie Coran là, dans langage que vous pouvez comprendre. Ouvrez li, lire un ayat là-dedans, laisse ça les qui est là bouger, parce que c'est la même solution qu'il y a pour que sa iman là augmente. Omar ibn al-Khattab, radiallahu an, tu viens pour assassiner le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin même cause à lui. Il pas encore joindre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il fait sa changement 360 degrés, c'est ayat Coran. 5 ayat Coran. Pas Coran, mais 5 ayat. Dans surah Taha, 20e surah, l'Iliasa et l'I. C'est parmi ban plus grand sahaba, ban plus grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui finit là. Et aussi ban Quraysh, ban kafir, pas si bien accepté parole Allah, mais je t'y comprends arabe, je t'y faut la langue arabe. Je te connais qui me dit sa bonne parole là. Tellement bonne parole là, il y a une valeur. Tellement les jolies, tellement les profitables. Je te peux bien écouter. Malgré ça, quand je traite tout l'état, je viens écouter. Je touche un bon camarade aussi. Ben qui peut faire complot contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui amène la lutte contre l'islam, qui peut faire ben persécution aux ben musulmans qui n'acceptent l'islam, ben qui n'acceptent l'islam. Je tout là. Assez à sa quête, je dis à tes camarades, mais toi tu dis à toi pour écouter, Parce que qui faire quand écouter, comprend qui peut dire, les qui est là obligé bouger. Il n'est pas capable de son place. Ça garantit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Cet iman besoin augmenter. Mais mon iman pas peut augmenter. C'est parce que mon papa prend compte sa parole du Créateur.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ودمن الله سبحانه وتعالى pardon pour moi-même pour vous aussi et pour tous musulmans vous aussi maintenant même demain Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour une erreur qu'ils ont fait je vous trouve Allah subhanahu wa ta'ala un grand pardonneur. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayat la continue, Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir qu'il indique quand on a un mu'min, Allah l'équipe d'une qualité qui besoin d'un mu'min, quand le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionné, je te l'équerre, prends compte l'eau d'Allah. Et quand je t'écoute ben ayat Coran, je t'imane augmenté. Qui l'a fait ça pour faire? Voilà, Rabbihim yatawakkaloun. Et je peux dépendre l'eau le créateur. Je peux dépendre l'eau le créateur. Je ne peux pas dépendre l'eau travail. Mais si je fais mon magasin, je vais namaz, je peux faire des fêtes. Il va pas être la vie kafir comme a été, l'ici il peut faire pareil. Donc, il peut dépendre de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkaloun. Il peut dépendre de Allah subhanahu wa ta'ala dans toute situation. Jusqu'à ce que malaka al-maut vienne avec lui. Et aussi, qui s'abandonne ça? Alladhina yuqimuna as-salat. Ban qui établit namaz, ban qui fait namaz régulièrement. Qu'arrive, Saint Dimon, il est église namaz. Dans 19e surah, surah Mariam. Alors, si nous joignons un chrétien, un catholique, nous disons, vous connaissez. Dans le Coran et dans le chapitre Marie. Vous voyez? Je ne sais pas si tu connais. Mais quand jeune, un kiken kenano Mohammed, il arrive 40 ans, 50 ans, Léo Djali, dans le Coran, dans le chapitre Marie, Mariam. Hein? Écoute, tu sautis. Quand tu es sorti de la ligne de la Terre, extraterrestre, alors, elle comprend, mon frère, mon soeur, l'importance, surtout dans mon jeune parmi nous, mon étudiant, étudiante, prends compte, mon parent, les autres défauts, sinon, elle dégoûte la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans 19e surah, appelle-le bien, je t'en check-le. Mettez ça bien dans votre cerveau, dans votre la cervelle, dans votre l'équerre, pas les six autres du tout. 19, ayat 59. Pas difficile. Tout le monde joue à votre numéro, je te connais. Hey, pas difficile. 19, 59. Al-Tchekli. 19, 59. Surah Maryam, ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala dit... أدعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا. Allô, écoutez bien, mon frère, mon soeur, mon jeune qui là, mon petit qui là, écoutez bien. Je te perds la base et je te suis, je te passion. Allô, je peux joindre avec. Déviation. Qui veut dire? Veut dire quand on quitte namaz, quand on quitte namaz, on peut tomber dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala.
Ou pour content de désobéissance à Allah. Ou pour tirer plaisir de désobéissance à Allah. Dans l'immoralité et l'indécence. Alors, qui besoin faire? Besoin prendre conscience l'importance d'établir sa namaz là, dans nous la vie régulièrement. Dans la vie, nous, madame, nous, bons enfants, bons jeunes, bons petits aussi. Parce que nous réalisions, il nous préparait pour celui qui nous crée nous. Il donne nous à l'islam. Il donne nous tout principe qui besoin adopter dans la vie. Et aussi, il met tout. Bonne protection, bonne repère, qu'il ne faut pas aller. L'aberrance, bonne affaire métro, plusieurs places, tout vient mettre bonne, chip-chi, colonne, une peinture lit blanc en rouge. Le faut pas voir là-dedans. Et si voir là-dedans, vous connaissez qui résultat pour une. Déviation. Pas plus tard que sa semaine là. C'est un programme, l'ON Radio, Radio Plus. Programme santé. Pas santé, non, danser, non. La santé. Dans les maudits, il fait ça. Alors, ban social, il vient, ban travailleur social, pour donner l'idée. C'est ce qu'on appelle les statistiques. Qui position nous Maurice, surtout nous bonnes jeunes, surtout nous bonnes jeunes, qui position? Alors, en là-dedans, il dit dans le dernier trimestre, veut dire avril, mai, juin, il y a 147 grossesses précoces, veut dire bonne fille, il en vente famille. Une enceinte. 147 là, ça comment dire, une goutte de la mer ça. Plus beaucoup là, pas connaît. Et aussi, une mentionnée là-dedans, dans un an, dans du petit pays, il y a 12 000 divorces. Je veux dire, divorce, c'est à l'acte tout le monde. Talak là, plus encore ça. Talak là, plus encore ça. Comment peine à dire celle de manger? Talak. De la salle moyas, talak. Et j'appelle moi Briani, talak. Avant de la route de la salle, talak. Voilà. Qui faire? Parce qu'il peut en apprendre de sa l'école. Concernant la vie conjugale, mariage, une condition nikah avec talak. Comment vous faire pour faire nikah? Et comment donner talak? Ça aussi, il ne peut pas apprendre ni. Il ne peut pas apprendre qui est une condition. Même ce nikah, il ne peut pas apprendre qui condition. Mais quand vous avez sur la tête, il dit oui, ma'am, m'accepter. Ça même. Bon, voilà le résultat. Résultat, 12 000 divorces. Et aussi, heureusement, il y a des gens qui sont honnêtes, malgré les pas musulmans. Il y a un parmi les madame qui occupe le social. Il dit la cause principale, il dit ça avec sa journaliste là. La cause principale de sa déviation là, la responsabilité, c'est les médias. Télévision, portable, la gazette, radio, etc. Zut, ban qui coupable de ça l'État qui n'arrivait parmi les jeunes. Surtout les jeunes. Et aussi, pour terminer, lui dire à madame là-dedans, qui la plupart, plus beaucoup, ban grossesse, c'est-à-dire ban petite fille qui est enceinte, 15 ans, 14 ans, 12 ans, 10 ans,
La plupart, quand? Quand ils commencent à être? Pendant les vacances. Parce qu'ils ne peuvent pas aller excursion, ils ne peuvent pas aller randonner, pas qu'à regarder dans la case, comme un man fermé, pas capable. Mais où parents? Où parents? Ou pas connaître aux enfants pour gagner vacances? Prends vacances ou ici. Prends vacances ou ici. Amène-les dans une place qui besoin d'amener sous responsabilité, sous regard, sous surveillance. Pour qui? Ou pas besoin d'alquidité? Ou bien d'y-les dans maternité? Alors, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah ta'ala protège moi-même. Protège tout bon frère, c'est qui là? Bon jeune qui là? Prends compte! Conscient qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui est nous dans ma tête tantôt et qu'il y a un jour on a pour debout devant sa rabla pour rendre compte de tout ce qu'il fait. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهد نساء المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أقم الصلاة